Oh, c'est magnifique ces petits sentiers là. Petit single track avec des ours. Bienvenue dans la vallée de la Loue. Là, on est en direction des sources de la Loue. On est sur du parcours pédestre. Ça, les chasses au sentier. Alors, est-ce que Romain a appris à passer les troncs façon Marcelin? Hop! Tac! Voilà, c'est sûr que tu as un peu. Hop là! Bon, bah, il va falloir que Romain travaille la technique, passer un tronc comme un Marcelin. Hein? Et go! Je m'embrouille dans les vitesses électroniques avec passer d'un vélo en Shimano DI2 à du mécanique à là du T-Type Access et vite fait d'inverser la limonade parfois. Hop, le joli belvédère. Moi, j'étais jamais venu là, Romain non plus. On est sur un magnifique belvédère qui est sur les sources de la Loue. Et puis, on va tâcher de prendre le single qui va nous y amener. Et moi, je m'attends du assez technique. Mais en tout cas, jusqu'ici, c'est très très joli. C'est le principe de la découverte, c'est le principe de la chasse au sentier, c'est trop bon. Alors, il n'y a pas de suivi. Non recommandé dans le sens, descente difficile, retour conseillé par la crête. Ouais, ok. Ça. Comment? Ouais, ça filme. Ah bah là déjà il y a un petit passage à pied. Bon, il y a une chance, ça roule après. Ah, des vélos un peu lourds, ce genre de bêtises, mais bon. Alors, on dira ce qu'on voudra, hein, mais comme on dit, hein, on préfère y descendre qu'y monter, hein. Il y en a rien sans rien. Ah bah c'est clair, quand on voit ce qu'on a fait avant, ce qu'on va certainement faire après, on n'a pas forcément la meilleure vitesse de progression. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je dirais même, quand on voit ce qu'on voit, quand on sait ce qu'on sait, on a bien raison de porter ce qu'on voit. C'est ça. Hop là. Ah bah déjà, rien que là, il y a un petit bout de balcon qui est magnifique. Oh là 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 là! Trop beau! Ah là! Quelle option! Ah, ça passe pas tout droit, c'est une épingle là! Allez! Et petit balcon! Thank you.
Ouais, compliqué. Compliqué ces butées de direction. Je sens que Romain aussi a la même problématique. On roule tous les deux aujourd'hui sur des cubes. On est sur du petit panoramique. Je sais pas s'il y a beaucoup de passages vélo par ici. En tout cas, même s'il y avait deux épingles là-haut qui étaient compliquées, la suite, c'est quand même trop bon à rouler. Ah là là, il manquait pas grand chose effectivement. Hop, j'ai leur collé Romain. Oula. Eh oui, la haute loup, c'est également des virages réputés pour la moto. Il y a quelques jolies courbes que les motards locaux aiment et où ils apprécient poser les genoux. Tu t'appelles pas Pierre, il y a Pierre qui est tombé ici. Il y a marqué chute de Pierre. Donc on saurait qu'il faut pas venir avec nos potes qui s'appellent Pierre. Allez. Hey, bonjour. 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 Style, n'empruntez pas le sentier après. Ah, c'est un belvédère. Là, c'est à gauche. Ouais, c'est trop beau, hein. Bonjour, merci.
Bonjour, merci. 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 Ah, je vais pas dire que je suis en train de rouler à des plus beaux sentiers du Doubs pour aller aux sources d'Alou, mais un petit peu quand même. C'est le truc de dingo. Bonjour, merci, on est deux. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci, on est deux. Ah, c'est les pierres voûtées. Alors, je ralentis parce qu'il peut y avoir un peu de monde à pied. Bonjour, merci. Merci. C'est le même maillot. Bonjour, merci. Ah, c'est cool parce que les piétons se serrent, se cachent dans les voûtes. Bonjour, merci, on est deux. Bonjour. Bonjour. Merci. Porto de Cirilo.